merci, maître Petit-Jean. Et m'a dit un grand bonjour à tous les journalistes et presse qui parlait, écrit, qui télévisait, et qui vrai motif pour raconter ça maintenant avec la presse, c'est. Alors m'a dit d'abord que nous faisons conférence de presse là ici, dans la salle de conférence ministérielle, c'est parce que et nous prenons nouvelle déjà, nous gagnons un greffier, et c'est le greffier Jean-Antoine Leslie qui est décédé suite à, d'après, qui parle un test officiel là, qui dit ça à mes parents, qui a dit c'est le Covid du monde. Donc pour éviter que tu aies d'autres employés qui étaient infectés en bas, le ministère a été choisi désinfecter l'espace là. Et sur la base de ça, nous observons 3 jours d'arrêt de travail et que Nabvini continue à reprendre le travail à partir de lundi prochain. Mais Fondi tout, la justice est un service public qui doit continuer de manière ininterrompue. Et sur la base de ça, nous avons des substituts commissaires au gouvernement, tel que Maître Émile Abder, et nous gagnons Maître Evans Frédéric, qui s'est lui-même assuré le service de la permanence du parquet, et nous gagnons Droyen, moi-même, nous toujours là, pour nous capables d'assurer que si nous avons un service et qui nous baille, ayons justiciable, il faut être capable de venir normalement. Donc voilà pour qui raison nous choisissons faire. Conférence de presse à ici à l'enceinte du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Et maintenant, nous gagnons motif pour rencontrer là, c'est parce que il y a des annonces de manifestations, de rassemblement de rue qu'a fait, et à partir de demain, dimanche 7 notamment. Et maintenant, nous devons adresser nous à organisateur et manifestation populaire ça y est, pour nous dire un, nous reconnaître que les conventions internationales reconnaissent le droit de manifester et qui garantit par la loi mère haïtienne, la constitution haïtienne et de 1987 amendée, nous reconnaître droit pour nous manifester. Et en cela, et nous ne sommes pas capables d'opposer, nous ne sommes pas capables d'empêcher de telles initiatives. Et que, en tant que aussi garant de l'ordre public, parce que la loi place le commissaire gouvernement au carrefour de la loi et de l'ordre public. Et si il y a un danger qui est capable, nous qui cap vini à partir de rassemblement ça à partir de l'initiative ça mais nous en droit pour nous dire halte là et que en plus les conventions internationales reconnaissent que lorsque gagne un décret gagne état d'urgence qui décrétait dans un état dans une nation et bien un ensemble de droits qui perdu automatiquement pour ensemble de privilèges que nous gagnons par rapport à la loi qui perdu rapidement, notamment droit pour nous prendre la route manifester. Donc c'est pas une tentation de dictature, c'est une tentation de babouquette, de musellement de la presse, de mettre nous babouquette dans la bouche de nous pour ne pas manifester. Ça a gagné comme desiderata, ça a gagné comme revendication par rapport au pouvoir en place. Donc, aucunement par une tentative de dictature sous ça, mais c'est une mission que le commissaire voulait gagner, que la loi bali, et pour que gagner des droits qui restreignent. Il y a certainement des restrictions de liberté. Restriction de certains droits
tel que droit pour nous manifester. Et m'a annoncé à l'organisateur que, par exemple, le regroupement ça, il a toujours fait. Mais est-ce que l'IPRAL permet que, effectivement, les revendications passent? Parce que là, nous, il y a un premier geste barrière, c'est distance sociale, c'est distance qui doit être observée par rapport à monde qui côtoyer ou pratiquer. Donc, tout le monde qui prend la rue, c'est une occasion qui va gagner pour que la pandémie soit capable de propager plus facilement. Donc, par rapport à ça, nous faisons appel à la conscience organisateur, nous faisons appel à sagesse organisateur pour être capable de retourner à de meilleurs sentiments possibles pour être capable d'annuler de tels projets. Parce que les risques propager davantage l'épidémie au sein de la population. Donc, et m'a dit encore que le moment n'est pas opportun, le moment est mal choisi, le moment est mal venu pour que des acteurs politiques ou des groupes sociaux, et que ce soit dans la société civile, à quelques secteurs qui appartiennent pour nous taper initiative, regrouper le monde dans un moment si difficile que le pays a traversé et que le monde a traversé. Donc voilà, ça me devait partager avec la presse aujourd'hui. En si peu de mots, et si moi pas clair, et m'en fait clair, non, peut-être deux ou trois questions. Bien. Merci beaucoup. Ancien signal. FM, est-ce que ça t'a dit, commissaire? Si un organisateur t'a pris la rue là, dans le mouvement ça qui a annoncé là, dans le jour qui a qui s'est arrivé? Qui s'est capable? Qui s'est arrivé? Écoutez, et qui s'est capable? Nous, c'est la voix capable. Donc, ce que je dis là, je le dis avec mes yeux bandés. La voix capable, il y a un décret d'urgence qui dit, dans un espace ouvert ou bien fermé, et mais aucun rassemblement pas possible au-delà de 7 mounes. Donc c'est 7 mounes. Donc maintenant, et là, m'a dit la pandémie là, où est-ce que ça passait? Donc il y a plus que 7 mounes là. Mais pas oublier son bagage spécial. Pas oublier son bagage spécial. Et le cas dit tout. Le cas dit tout. Mais ma parole, ma parole à la presse, ma parole, vous aimez ça, et bien le monde qui a organisé. Et que, mais pas oublier, et moi voilà, et nous parlons de débordement, nous parlons de déferlement populaire. Nous parlons de déferlement populaire. Nous, c'est des mondes professionnels qui chita sagement, et qui attendent, mais c'est pour un temps assez court, et qui ne peut pas durer plus que 15 minutes là. Parce... Merci. Pour que nous n'ayons pas, et même en différence entre vous et la question, et où tu as dit que vous ne parlez pas de banque. D'accord? Certainement, les gens ne parlent pas de banque. Mais la boîte, c'est son utilité. C'est pour un besoin utilitaire qui peut durer plus que un espace de ciment. Ce que j'appelle l'espace de ciment, c'est un temps qui est relativement court. Donc maintenant, un monde qui parle de banque 2-3 heures dans le monde, qui parle de déferlement populaire, certainement. C'est une occasion qui va le permettre que la pandémie en lit pour pager plus facilement. Merci, Je vous réfère au décret d'urgence pris par le président de la République. Merci. Il y a la question avec Canal 11. Donc, question, pour visiter la bénédiction, comme dans côté que moi, mesdames, pile sous pile dans ces lieux. Par contre, qui ça qui vient pour vous avec nous qui permet de prendre le coronavirus? Très bien. Et maintenant, nous, le doyen du tribunal, maître Bernard Saint-Ville, de concert avec le commissaire du gouvernement,
nous avons planifié une session spéciale, audience criminelle sans jury, qui a commencé hier lundi. Et au terme et à l'issue de ces audiences spéciales, nous avons permis qu'il y ait deux audiences par jour qui déprennent. Mais brusquement, nous venons la mort, le décès de deux de nos greffiers, Maître Jean-Antoine Leslie, et que ça devine pour permettre que l'audience ne soit pas capable de continuer. Donc nous programmons pour lundi prochain, disons mardi prochain, nous avons repris normalement, et nous avons accéléré pendant intensifié pendant tout au long mois salaud pour nous capables de plus de monde possible. Mais pas oublier que nous sommes déjà en amont nous-mêmes, nous avons travaillé en amont par rapport à ça. Et audience constitutionnelle organisée chaque jour sur l'égide de la loi du 6 mai 1927. Et au terme de ces audiences spéciales constitutionnelles, nous avons des gens qui étaient libérés. Et on est capable de témoigner pour ça. À la prison à Boili, l'organisation de l'Oise du on est libre. Nous libérons plus de 200 gens déjà. Du 21 mars à date, nous libérons plus de 200 gens dans la prison et qui te permettent qu'on allègement par rapport à ça vient comme flux et niveau de détention bien. Voilà. Merci. Donc, la dernière question avec Radio Bookman et Cité Soleil. Radio Bookman. Daniel Pierre, le matin, va pour Radio Bookman. Commissaire, en fait, nous essayons d'interviewer dans la rue par rapport à quelle décision l'État est même demandé pour le grand. Bon, nous, comme réponse, il n'y a pas décidé d'appliquer. C'est parce que en pile fois, nous prenons des décisions qui allaient, qui pas aller dans ce sens. Peut-être que ça n'a pas dit, c'est une autre bagaille qui a fait par rapport à ça. Est-ce que nous avons senti, en pile fois, la décision, ça a eu plus affaibli l'État qui est dans ce travail-là? Parce que là, nous remarquons à travers la rue, ça a passé dans le camionnette, dans le papier. Et je dis à là, est-ce que décision ça l'aide pour nous pas plus mettre l'huile sur différents mondes pour faire participer dans ce que nous-mêmes nous interdisons. Écoutez, il n'y a pas de peur. Il n'est pas facile d'adapter à de nouvelles réalités. D'accord? Il n'y a pas de jambes qui sont faciles. Même sur ce sociologue de formation, il n'y a pas de jambes faciles pour nous adapter à de nouvelles réalités. D'accord? Donc certainement, a gagné des déviations, a gagné comportement déviant, a gagné errance, errement, a tout gagné des comportements comme ça. Mais maintenant, c'est au fur et à mesure, on a gagné pour nous capables de corriger. Donc même pas ces questions-là, ils sont belles questions, mais nous ne pouvons pas faire. Ouais, bon, c'est des pays, c'est pas tout pour nous. Nous faisons la sagesse organisateur pour camper sous l'initiative ça pour que nous capables d'empêcher que le Covid n'a pas propagé et pour ne pas atteindre le plus de monde possible. Mais c'est déjà si vous permettez, téléphinez. Pour la dernière. Toute dernière question. Le commissaire a parlé. Une toute dernière. Non, d'abord, nous n'avons pas interdit manifestation. Vous savez bien, oui. Parce que son droit est consacré, est garanti par les conventions internationales et reconnu par la loi haïtienne. Vous d'abord,
Vous avez dit oui, nous interdire, parce que la convention, ça a tout, il y a une prérogative. Que il y a des restrictions de certains droits qui font. Et sur la base de cette restriction de certains droits, nous faisons appel à la conscience pour nous camper. Pour être capable de retourner à de meilleurs sentiments possibles, parce que ce n'est pas bon pour nous, ce n'est pas bon pour la famille, pour les proches et pour le pays en général. Merci. Commissaire, merci beaucoup. Et pour qu'elle démarre la radio,